Bonjour. Bonjour et bienvenue dans Femmes de Sport, la seule émission omnisport consacrée au sport féminin. Avec au programme du basket, du rugby, de l'athlétisme et du tennis de table et deux invités, Antoinette Nanajimou et Laura Pfeffer. Mais avant d'en savoir plus sur nos invités, je vous propose le Tour de France en images, le Tour de France de Femmes de Sport. Elles ont choisi un sport spectaculaire où il ne faut faire plus qu'un avec son cheval et où les contacts sont parfois virils. Margot, Valentine et Pauline pratiquent le horseball à Meurchin près de Lens. Elles sont même championnes de France élite cette année. Margot avec Bohemian Box et Valentine avec Unoria vont rejoindre l'équipe de France. Donc voilà, en fait, ma vie a été rythmée avec le hand et c'est difficile quand il n'y en a plus. Je suis un peu perdue et je me dis qu'il manque quelque chose. Comme je suis assez nerveuse, ça m'aide beaucoup à me défouler et je me rends compte que quand c'est les vacances ou qu'il n'y a pas d'entraînement, bah, je m'énerve plus facilement. À 47 ans, elle l'avoue elle-même, ses meilleures années sont derrière elle. Pourtant, elle exclut de s'arrêter de courir. Tant que je pourrais courir, je courrais parce que je suis une vraie passionnée. Je ne suis jamais allée à reculons, j'y vais toujours avec énormément de plaisir. Mais je pense que le basket féminin est séduisant, dans tous les sens du terme. Après, on a besoin que les médias s'intéressent à nous pour qu'ils soient vus par le plus grand nombre et qu'après les gens puissent se déplacer dans les salles. C'est après, quand on voit ça une fois, on revient toujours. Mais encore dans les nuages, j'ai du mal à réaliser que je suis la première championne du monde du 10 km de l'histoire. Mais voilà, ça me fait très plaisir d'être ici et de retrouver ma région et mon club. Cette médaille, peut-être que c'est le commencement d'une autre. Voyant les autres nageuses à l'âge de 40 ans gagner encore des médailles mondiales, pourquoi pas? C'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Normalement, tu montes 12 mètres, c'est ça? En combien de temps tu peux le monter? En 9 secondes? Moins encore? 7 secondes? En moins 6 secondes? Non, nous ce qu'on va faire avec le public, on va faire le décompte à partir de 10 et tu partiras et tu lanceras toi-même le journal. Anouk Jobert, je vous demanderai de l'applaudir bien fort. Vous êtes prêts public? Attention, le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ce zapping est également le vôtre. Si vous avez des images de sportives à nous envoyer, eh bien contactez-nous à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran. Laura Pfeffer, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes en équipe de France de tennis de table. Est-ce que vous avez un événement qui vous a marqué ces dernières semaines? Bah justement, la semaine dernière, c'était les championnats d'Europe de tennis de table. Et j'ai été très marquée par la victoire de la Roumaine Elisa Beta Samera, qui a gagné contre des Chinoises naturalisées européennes, et ce qui est assez rare en tennis de table. Donc, ah oui. Pour le noter, ouais. Oui, c'est vrai. Antoinette Nanajimou, bonjour. Vous êtes quadruple championne d'Europe d'épreuves combinées. Je ne suis pas très fort en athlétisme. Expliquez-moi ce que sont ces épreuves combinées. Ben, en fait, je suis championne d'Europe, double championne d'Europe d'heptathlon et de pentathlon, qui sont deux choses différentes, puisque heptathlon, c'est l'été, et pentathlon, c'est l'hiver. Donc, il y a cette épreuve l'été, donc le 100 mètres haies, le 100 en hauteur, le lancer de poids, le 200 mètres, et la deuxième journée, on a le 100 en longueur, le javelot et le 800 mètres. Et pour le pentathlon, c'est sur une journée? C'est sur une journée, c'est 5 épreuves, c'est un 60 mètres haies, le 100 en hauteur, lancer de poids, longueur et 800 mètres. Et justement, cet été, vous avez eu un petit problème de santé, ça va mieux aujourd'hui? Oui, ça va mieux, tout va bien. J'ai pris mon temps, je me suis bien reposée, donc ça va. Justement, comment on occupe son temps cette période? Est-ce qu'on regarde la compétition aux championnats du monde qui se sont déroulés cet été ou au contraire, on essaie de passer à autre chose, de préparer la saison suivante? Comment ça se passe? Ben, en fait, c'était un peu dur parce que je voulais vraiment faire ces championnats du monde puisque je m'étais bien préparée. C'est vrai que... Plus Pékin, vous connaissez, vous étiez? Ouais, j'étais déjà à Pékin en 2008 et là, je voulais y retourner quand même parce que je pense que j'aurais fait une bonne prestation. Bah, malheureusement, bah, la vie fait qu'il y a des trucs qui arrivent et on ne peut pas y aller. Donc, je suis restée à la maison. Bah, c'était dur, mais j'ai fait autre chose. J'ai visité Paris. Autre chose. Bah, j'ai visité Paris, c'est un truc que je n'ai pas l'habitude de faire. J'ai visité Paris, je suis allée à Londres, je suis allée partout.
Et j'ai pas regardé l'athlée parce que je pouvais pas. C'était trop dur. C'était trop dur. Laura, vous avez vécu des périodes de blessures ou pas? Oui, l'année dernière, j'étais blessée au dos. Ça m'a empêchée de participer à quelques compétitions, à des sélections. Et c'est vrai que c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. Alors, toutes les deux, vous avez quelque chose en commun. Vous êtes toutes les deux à l'INSEP, l'Institut National du Sport et de l'Expertise et de la Performance. C'est un atout de travailler, de s'entraîner à l'INSEP. Vous êtes interne, c'est ça? Oui, voilà, je suis interne depuis 3 ans. C'est sûr que c'est super d'être là-bas. Il y a tout sur place. Je pense que c'est une des meilleures structures européennes. Tout est fait pour nous, pour le sportif, et ça, c'est quand même très rare de trouver ça. Mais on n'est pas un petit peu noyé, parce que je sais qu'il y a 850 athlètes, 450 internes, 850 athlètes qui s'entraînent. On n'est pas noyé, c'est cool, c'est sympa. Non, c'est sympa, parce que nous, c'est comme si c'était c'est une petite famille, en fait. On vit dans un petit village, on s'entraîne, on y vit, on étudie sur place, donc... C'est la fête, quoi. C'est pas la fête, on va dire, c'est notre petit village. C'est une bonne ambiance. C'est une bonne ambiance. Mais justement, vous avez vécu, je crois, 7 ans à l'INSEP. Maintenant, vous n'y êtes plus, si mes infos sont bonnes. Mmh. Et comment se passe l'adaptation? Est-ce qu'on apprend, on doit apprendre à faire ses courses, on doit apprendre à laver ses vêtements, à faire le ménage? Parce qu'avant, à l'INSEP, on fait tout. On cuisine, ils font le ménage. Comment ça se passe, l'adaptation? Là, c'est un peu plus dur, puisque là, quand je rentre, je dois me faire à manger, je dois payer mon loyer. Alors que ça, avant, je ne le faisais pas du tout quand j'étais à l'INSEP, puisque j'étais logée, nourrie, blanchie. Et là, c'est un peu plus différent, puisque là, maintenant, je dois penser à payer mes factures, de téléphone, de ça, de faire les courses pour faire à manger. Après, ça va, je me suis adaptée aussi assez vite. Pas. Alors, vous êtes allée à l'INSEP assez jeune, à 16 ans. Les parents, comment ils ont vécu ça? Ils vous ont encouragé? Ils n'étaient pas d'accord? Vous avez dû les convaincre? J'ai quand même dû les convaincre, mais comme ils m'ont toujours soutenue, ils n'ont pas eu trop le choix, ils ont accepté. Et maintenant, ils continuent de m'accompagner, à m'aider, voilà. Donc ça se passe bien. Ils étaient pongistes aussi? Vous êtes tombé dans le ping-pong par hasard? Pas du tout, c'était complètement un hasard. J'ai commencé parce que c'était un club à côté de chez moi. Voilà, j'ai commencé comme ça et j'ai été pris de passion tout de suite. Alors je vous propose tout de suite de découvrir le portrait d'une autre sportive. On va partir dans le sud, un sujet qui a été réalisé par les équipes de TV Sud. C'est le portrait de Gaëlle Mignot, une rugbyman d'exception. J'ai 28 ans, je suis originaire de Dordogne, un petit village qui s'appelle Cubjac à côté de Périgueux. J'ai commencé le rugby à l'âge de 7 ans. J'ai une famille qui est à fond dans ce sport, surtout les garçons. Mes trois oncles du côté de mon père, enfin mes deux oncles du côté de mon père, puisque mon père faisait du rugby, mon cousin aussi. Puis un jour, mon cousin qui faisait m'a dit « Tiens, il y a une fille qui essaye, qui joue avec nous, avec les garçons, ça ne te dirait pas d'essayer ?» Moi, j'étais un peu bagarreuse, j'aimais bien la nature, être dehors tout le temps. J'étais, on va dire, le petit garçon de mon père, il voulait un garçon et puis il n'en a pas eu. Et j'ai dit oui, je faisais de l'équitation, ça ne me plaisait pas du tout. Et j'ai dit oui, j'ai essayé, puis depuis ce jour, j'ai jamais arrêté. Donc voilà, ça va faire 20 ans, plus de 20 ans que je fais du rugby. Gaëlle, c'est une joueuse exceptionnelle. Il n'y a pas de joueuse souvent comme ça par équipe. On a la chance d'avoir Gaëlle. On a la chance d'en avoir, je dirais, deux autres qui sont aussi d'un niveau exceptionnel. Donc tout ça dans la même équipe, effectivement, ça fait une équipe extrêmement forte. Pour Gaëlle particulièrement, d'un point de vue joueuse, c'est une des leaders sur le terrain. D'un point de vue capitaine, c'est leader du terrain et du vestiaire. Et après, en tant que fille rugby woman, c'est exceptionnel. Elle est dans la pratique du rugby depuis très longtemps. Elle connaît le rugby, elle a la culture rugby. Je suis une battante, je pense que ça fait partie de mes qualités. Je lâche jamais rien. Quand j'ai un objectif, je me donne tous les moyens nécessaires pour aller au bout, même si des fois ça ne marche pas forcément tout le temps. Et un défaut, c'est que je suis exigeante avec moi et donc du coup je suis exigeante avec les autres. Et des fois, c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs et tout le monde n'a pas forcément envie d'aller au plus haut niveau et tout ça, ou de s'entraîner tous les jours. Et moi, voir une fille qui n'a pas envie de venir à l'entraînement ou quoi, des fois ça
ça m'agace un peu, donc il faut que j'arrive à me tempérer là-dessus. J'essaye de leur apporter mon expérience, j'essaye de leur apporter mon envie, ma détermination, et leur montrer que ben, c'est pas parce qu'on a gagné un titre qu'il faut s'arrêter là, il faut toujours en vouloir plus. Voilà, il y a de super choses à vivre en équipe de France, il y a des petites jeunes qui ont d'énormes potentiels et qui ne prennent pas compte de leur potentiel, donc j'essaye de les amener vers là, leur dire ben, il n'y a que par le travail que ça marche, il faut faire des fois quelques sacrifices, mais après, les moments qu'on vit, ils sont inoubliables, donc voilà, j'essaye de les orienter vers là. Cette année, bien sûr, l'objectif, c'est rentrer dans l'histoire, c'est avoir 4 titres consécutifs, c'est garder ce qu'on a mis du temps à acquérir, puisque c'est pas toujours facile, et maintenant de le garder parce que tout le monde le veut, donc c'est encore plus difficile. Voilà un portrait d'une sportive d'exception. Égale Mignot, sachez-le, est en lice pour devenir peut-être la meilleure joueuse du monde 2015. La réponse, c'est début novembre. Bah justement, pour être parmi les meilleurs, il faut savoir réussir une sacrée recette hein, de psychologie, de physique, de technique et puis d'argent, hein, Antoinette. Les sponsors, c'est ce qui vous nourrit. Comment ça se passe? C'est à vous de les démarcher? On va dire un peu à nous, aussi un peu aux managers, donc, ou aussi par rapport aux perfs qu'on fait, on les attire comme ça aussi. Donc c'est un peu difficile, quoi. Alors, mais concrètement, pour une athlète comme vous, quelles sont vos sources de revenus? J'ai la chance en fait d'avoir ASICS depuis maintenant 14 ans qui me suit, donc je veux dire que c'est vraiment ça, c'est ma première source de revenus. Sinon maintenant, comme depuis 2009 je suis athlète professionnelle, j'ai la fédération qui nous aide avec le club en fait, comme ça on peut toucher un salaire tous les mois. C'est le fait de cumuler. Ouais, ça nous fait cumuler, ça nous fait cotiser aussi puisque on est petite athlète, on cotise pas, donc j'ai la chance de cotiser, donc je suis contente. Mais c'est super difficile en fait. Alors, pour le ping-pong, c'est pas la même chose, j'imagine. Nous, la première source de revenus, ça va être le club. Quand on a la chance de pouvoir jouer, avoir un contrat professionnel et jouer dans les divisions de pro. Mais ça reste quand même assez faiblard pour vivre, surtout quand on est une fille. C'est des petits salaires, c'est de l'ordre du SMIC, moins, plus. C'est quoi l'ordre d'idée des salaires que peuvent toucher des joueuses dans des clubs? Les meilleures joueuses dans les clubs peuvent toucher plus du SMIC, mais on parle vraiment du top du top. Après, ça descend quand même assez vite. Et après, ça peut être aussi remboursé sur facture, tout ça. Donc, on ne cotise pas non plus forcément pour la retraite, c'est pas facile. Une vie de sacrifice. Et d'ailleurs, vous, pour financer, vous avez fait appel au crowdfunding. Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous la démarche. En fait, donc ça s'appelle le financement participatif. La démarche est en fait sur un site dédié à ça qui s'appelle Fosbury. J'ai fait une campagne en fait en présentant mon projet, voilà, à travers une vidéo, à travers du texte. Et c'était quoi votre projet d'ailleurs? Alors mon projet, c'est de me qualifier aux championnats du monde en février qui se dérouleront à Kuala Lumpur. Et pour ça, j'ai besoin de participer à des étapes du circuit mondial. Et pour ça, des fois, je vais devoir me les financer puisque la fédération ne peut pas le faire pour tout le monde. Donc voilà, le projet, c'était de demander à mes supporters, à des gens qui découlent au tennis de table ou à des pongistes, de m'aider à me financer. Donc ça part de petites sommes à 10 euros jusqu'à... J'ai eu des donateurs pour 500 euros. Donc voilà. Donc si j'ai bien compris, on gagne moins que le SMIC et pourtant il faut financer sa carrière. C'est ça. C'est toute la difficulté de la chose. Par contre, en athlète, pour le coup, vous ne financez pas les déplacements. Non, on a cette chance là. En fait, que c'est la Fédé. Quand on va en compétition, en fait, c'est la Fédé qui paye tout, les déplacements, l'hôtel. En fait, nous, on n'a pas à penser à tout ça. Donc c'est ça, on a la chance comparé au tennis de table. Mais je trouve meetings, ça un peu dommage. Les meetings aussi, finalement. Les meetings aussi. En fait, on doit payer, ensuite on se fait rembourser en fait, après. Donc, parce que c'est un sport majeur, l'athlétisme, oui. Il y a des facilités, il y a une habitude, alors que dans le ping-pong... En fait, c'est pas attribué à tous les athlètes. Certains athlètes sont dans le même cas que les pongistes, donc c'est un peu difficile. Il faut vraiment aimer son sport, en fait. Mais ça a marché. Tu as récupéré l'argent plus même que tu souhaitais. J'ai réussi à arriver à 114%. Donc en fait, j'avais demandé 2500, j'ai obtenu 2850. Alors pour moi, c'était une grande surprise, parce qu'au début, je ne savais pas trop où j'y allais, aucune pongiste n'avait fait ça. Et finalement, ça a été plutôt une grande réussite. Et donc, je remercie vraiment tous les supporters qui m'ont aidé. Et ça a permis de développer d'autres contacts aussi Exactement. Ça m'a permis d'avoir un nouveau contact. J'ai trouvé un nouvel équipementier.
une nouvelle marque pour financer mon matériel, puisque les raquettes, ça coûte cher également. Voilà, ben, alors pour être complet sur le crowdfunding de sportives, et si vous voulez peut-être soutenir des sportives, sachez qu'il y a Fosbrit, mais aussi Sponsorize Me et WePlaySport. Vous connaissiez ces plateformes ? Je connais que Sponsorize Me, puisque j'ai un ami Gaël Guérin, le décathlonien, qui a fait appel à ça. Et si on parle de basket un peu maintenant ? Eh bien, d'accord, on va tout de suite plonger dans le basket en images. La saison de basket a commencé, ça a commencé par une grande fête, c'était l'Open de la Ligue de basket féminine. C'était à Coubertin, nous y étions, à la rencontre des acteurs de ce sport. 7 matchs en 2 jours, c'était le programme proposé à Coubertin par l'Open de la Ligue féminine de basketball. Pour cette grande fête du basket, le public était venu en nombre, et pour certains, c'était la découverte du haut niveau. Le basket féminin, on connaît par rapport à l'équipe de France. Donc forcément, c'est ça qui donne envie de rencontrer, de voir ce que ça donne en vrai. Je suis venu, c'est bonne ambiance, c'est convivial, donc ça me plaît, ouais, c'est cool. Une fête pour le public et un jour important pour les joueuses et les entraîneurs comme Valérie Garnier, qui observait les matchs en tribune avec sa double casquette d'entraîneur et de sélectionneur. Ben, c'est la réunion de tout ce qui se fait mieux dans le basket féminin. C'est toujours une grande journée pour les entraîneurs, pour les joueuses. Voilà, elles se régalent ici, tout le monde se retrouve. C'est un moment et à la fois de convivialité et à la fois pour les joueurs et les entraîneurs, une obligation de résultat. L'obligation de résultat, cela passe également par des moyens financiers. Si les clubs français ont pu se professionnaliser ces dernières années, les joueuses pro évoluant en France forcent l'admiration de nombreux techniciens. Je pense qu'en basket, on a un des championnats les plus relevés d'Europe. En termes de salaire, on est loin des salaires du basket masculin. Et de toute façon, que ce soit dans tous les sports co, c'est pareil. Mais voilà, mais après, oui, c'est clair que c'est des filles qui sont professionnelles. Je retire mon chapeau parce que c'est plus dur d'être sportive que sportif. Eh ben, le haut niveau, c'est beaucoup, énormément de sacrifices, beaucoup d'heures d'entraînement. Et pour celles qui font basket et études, notamment moi, je suis en Master 2, donc c'est énormément de sacrifices, c'est beaucoup d'investissement, d'organisation surtout, en temps, sur le plan sportif et sur le plan intellectuel. Il faut vraiment être investi du début jusqu'à la fin. Cet investissement mérite une véritable reconnaissance par les médias et le public. D'autant plus que cette année, le championnat sera à suivre absolument. Parole de président. J'encourage effectivement tout le monde de voir les matchs féminins parce qu'on va avoir un championnat très très intéressant. Bourges ne domine plus comme il dominait auparavant. Il y a Montpellier qui est derrière, il y a Villeneuve-d'Ascq, il y a l'équipe de Lyon, on vient de le voir, qui est également une équipe qui est en devenir. Donc je crois que vraiment c'est un championnat qui va être très très intéressant et on ne peut pas dire qui sera champion cette année. Maintenant, à vous d'aller dans les salles et pour les résultats, ils sont sur Femmes de Sport. Même dans le sport professionnel, il faut préparer sa reconversion. Antoinette, vous aussi, vous connaissez cette contrainte d'allier sport et études ? Oui, bah, je le connais depuis, on va dire, 2013, puisque après les Jeux de 2008, en fait, oui. J'avais eu mon examen bac et tout, j'ai fait un DUT, j'ai eu mon DUT, après j'ai décidé d'arrêter des études pour me consacrer qu'au sport. Ensuite, en 2013, j'ai décidé de recommencer, de reprendre mes études, puisque je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire. Je m'en mets un petit peu. On pense à autre chose, on se libère l'esprit. On pense à autre chose parce que penser que sport, ben, j'y arrivais pas, donc je suis retournée à l'école. C'était super dur puisque mes cours, ils n'étaient pas aménagés puisque j'étais à l'extérieur de l'INSEP, je n'étais pas à l'INSEP. Oui, parce qu'à l'INSEP, il y a des cours dans l'INSEP qui sont aménagés aux horaires d'entraînement. Mais il n'y a pas toutes les filières, donc j'ai fait le commerce à l'INSEP. J'ai eu mon examen, mais moi, je n'étais pas trop attirée par le commerce. Je voulais faire de la mode, donc j'ai dit. De la mode? Oui. C'est-à-dire ? En fait, je me suis inscrite en école de styliste modéliste, en fait, pour apprendre mon futur métier, parce que c'est un truc qui m'a toujours attirée. Ben, après, j'ai fait autre chose pour pouvoir faire mon sport. Donc, dans 5-10 ans, on aura des collections Antoinette Nana Jimou. Peut-être. Si tout va bien. Chou Nana, comme on vous surnomme. Voilà. Laura, tu as bien entendu, il ne faut pas abandonner les études, c'est important, même psychologiquement, pour la compétition. Mais pour vous, est-ce que c'est une contrainte, les études à l'INSEP ou pas ? Bah, moi, j'ai la chance d'être dans une filière qui est à l'INSEP. Et donc, tout est aménagé pour les sportifs de haut niveau. Donc, même si ça peut être on peut se dire que c'est une contrainte parce que ça nous prend un peu d'énergie, il y a des examens et tout ça, ça reste quand même Et tu as choisi quoi après le bac ? Bah, alors moi, j'ai choisi de faire une licence TAPS que j'ai validée l'année dernière. Et là, je suis rentrée en première année de master. C'est le master qui est uniquement à l'INSEP. Ça s'appelle Sport, Expertise, Performance de haut niveau.
Et pour l'instant, ça se passe très bien. Qu'est-ce que vous souhaitez faire de toutes ces études alors? Bah, moi, depuis toujours, je souhaite m'orienter dans l'entraînement et la préparation physique, rester dans le milieu du sport, c'est encadrer des jeunes, c'est ce qui m'intéresse. Donc finalement, votre discipline, vous en parliez tout à l'heure, est dominée par, on va dire, l'Asie. Comment, est-ce qu'il y a une explication ça? L'explication, c'est que en Chine, il y a des millions de joueurs, vraiment des centres d'entraînement incroyables, comme c'est leur sport national. Ils commencent très tôt, à l'âge de 4 ans, 5 ans, ils sont déjà en train de faire plusieurs heures, ce qui n'est pas possible en France parce que c'est pas la mentalité. Voilà, ce n'est pas dans notre mentalité. Et bien sûr, maintenant, les Chinois, depuis quelques années, ceux qui ne sont pas assez forts là-bas, ils viennent se faire naturaliser en Europe pour mieux vivre. Ils remplissent les clubs européens, et ce qui fait qu'on les retrouve aussi en équipe nationale des pays européens. Donc c'est sûr, c'est pas facile. Oui, ça peut être parfois frustrant pour les petites jeunes. Donc, la Chine, c'est la Mecque du ping-pong. Et pour vous, l'athlétisme, quel est le pays qui est la Mecque de l'athlétisme? Oh, il y en a beaucoup. Ça dépend des disciplines, peut-être. Ça dépend des disciplines. Par exemple, ma discipline, c'est les Européens qui dominent. Au 100 mètres, ça va être les Jamaïcains. Je sais pas. Ouais, les États-Unis aussi. Les États-Unis aussi, ça dépend des années en fait. Avec Ashton Eaton qui vient de battre encore le record du monde. Mais en tout cas, bientôt, il y aura les JO à Rio. J'imagine que ça vous fait rêver. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de vous voir à Rio, Laura? Ou vous êtes encore jeune, trop jeune pongiste? Oui, moi ça va être un peu difficile. J'ai que 19 ans. Vraiment, je me focalise plus sur les JO 2020 que 2016. Et vous, Antoinette, je sais que vous étiez à Pékin, vous avez fini 18e, vous avez glané une place à Londres, parce qu'il y en a une qui, voilà, s'est tombée par la mafia, hein, voilà, elle s'est fait choper, comme on dit, par les instances antidopage. Donc vous finissez 5e à Londres. Qu'est-ce qu'on peut espérer en cette année olympique? Je vais tout donner pour monter sur la boîte, hein, c'est tout. Hein. Parce que vous avez des 4 médailles européennes, les plus belles, bon. Mais les médailles olympiques. Il manque vraiment la... Comme on dit, quand on prépare des examens, on a son bac, on est content. Mais maintenant, moi, c'est mon examen. C'est les Jeux. Le Graal. Voilà. Alors, en attendant Rio, eh bien, mobilisons-nous également pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et vous, pour aider la candidature française, bien sûr, vous pouvez acheter le petit bracelet. D'ailleurs, moi, j'en ai un pour vous. Ah, merci. Je vais le porter. Mesdemoiselles, merci d'être venues sur le plateau de Femmes de Sport. Merci. On vous merci laisse maintenant à vos rêves olympiques. Maintenant, sortez cahier et stylo, parce que voilà Florian pour l'agenda de Femmes de Sport. Bonjour Florian. Bonjour. Alors, qu'avez-vous retenu pour nous en ce mois d'octobre? Du judo à Paris, à Bercy, les 17 et 18 octobre, avec le Paris Grand Slam de judo. C'est un des tournois majeurs du circuit mondial. De l'occasion pour nous de découvrir la nouvelle enceinte de Bercy, c'est ça? Exactement. D'autres sports? D'autres sports, avec du volley, un peu partout en France. Le 20 octobre, ce sera la reprise de la Liga féminine de volley. Il y aura 6 matchs un petit peu partout en France, dont un à Istres qui accueillera le champion, le RC Cannes. Cannes, l'équipe qui est souvent l'équipe à battre. On verra comment Cannes supporte l'absence de son immense championne Vicarava qui a pris sa retraite. Du sport de raquette, avec du 20 au 25 octobre, du badminton au Stade Pierre de Coubertin à Paris. C'est les Yonex internationaux de France. C'est les meilleurs spécialistes de la discipline qui ont rendez-vous donc à Paris pour un événement exceptionnel. Autre chose, avec du squash dans le même temps, donc du 21 au 24 octobre à Créteil, dans le Val-de-Marne. C'est le tournoi international féminin, c'est un peu la même chose, avec les meilleurs spécialistes du squash qui seront réunis à Créteil. Alors, si tu parles de raquettes, il y a forcément du tennis. Il y a du tennis, du 24 octobre au 1er novembre, plutôt en fin de mois du coup. Ce sera dans la Vienne, à Poitiers, pour les internationaux de la Vienne, avec un tournoi ITF, un prize money de 100 000 $ à la clé. Je crois me souvenir qu'il y a une équipe de France de football féminin quelque part. Exactement, ce sera le vendredi 23 octobre au Stade Jean Bouin à Paris avec un match amical contre les Pays-Bas pour préparer l'Euro 2017. Donc dans l'enceinte du rugby? Dans l'enceinte du rugby. Donc c'est tout nouveau? C'est tout nouveau, c'est la première fois que ça arrive. Est-ce que tu as d'autres sports? Eh bien, il y a de l'escrime à Orléans en fin de mois, du 31 octobre au 1er novembre. C'est une Coupe du Monde féminine de sabre, une des spécialités françaises, et on espère donc que les Bleus brilleront devant leur public. Bref, il y en a un petit peu partout, des événements, sauf dans le Sud-Ouest, t'as quelque chose là-bas ou pas? Eh bien,
dans le sud-ouest, en ce moment même, c'est le Roxy Pro de surf à Biarritz. C'est la 9e étape des championnats du monde, avec les meilleures mondiales et quelques Françaises qui brilleront. Et une équipe de femmes de sport est sur place pour faire vivre l'événement. En direct, waouh! On aura des images pour le zapping du mois prochain. Merci beaucoup Florian. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de l'émission www.femmesdesport.com. Eh bien messieurs, ça y est, l'émission Femmes de sport touche à sa fin. Mais l'info continue sur le site de Femmes de sport. À très vite.